En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Tous les Français vivent à Paris ou sur la Côte d'Azur. En France, on a tous une vue sur la Tour Eiffel. Bien qu'on mange de la viande de cheval, des grenouilles, des escargots, ou des fromages puants, notre cuisine est connue comme une des meilleures du monde. En France, on est élégant, avec des grands couturiers réputés dans le monde entier, même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, le commandant Cousteau ou le mime Marceau. En France, notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons, et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. En France, on croit que les frites viennent de Belgique. En France, on se donne rendez-vous dans des cul-de-sacs. Les Français aiment les femmes, mais pas dans les affaires ni en politique. Oh, voilà notre quota féminin. En France, on dit souvent « oh là là ». En France, on a une façon très spéciale d'embrasser. En France, on écoute de l'accordéon en toutes circonstances. En France, on a des bateaux mouches. Le monument français le plus connu est une antenne radio. En France, on a le déjà vu. En France, les filles sont jolies, mais ne se rasent pas. En France, on ne se lave pas. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? En France, les taxis sont grossiers. En France, les serveurs sont grossiers. En France, on a des super-héros sexy. Et des mascottes publicitaires poétiques. En France, on coupait les têtes avec une machine bizarre. En France, on veut abreuver nos sillons d'un sang impur. En France, le sport populaire est la pétanque. Excellent coup de Jean-Pierre qui marque un point pour l'équipe bleue. Revoyons l'action au ralenti. Il y a énormément de Français célèbres comme Picasso, qui était espagnol, Salvador Dali, qui était espagnol aussi, Vincent Van Gogh, qui était hollandais, Apollinaire, Frédéric Chopin ou Marie Curie, qui tous trois étaient polonais, ou Joséphine Baker, qui était américaine.
La France est le pays des droits de l'homme. En France, on est toujours en grève ou en vacances. Et merde. Et voilà.